On est déjà à 12 heures de jeu, c'est pas mal ça. On est déjà à 12 heures de jeu. Oh. Ah oui. Ah, la jolie moitié de maison. Bien. Oui, il y a un cheval ici, c'est vrai. Et yo à toi. Bonsoir à toi Nico, comment vas-tu? Ça, on va les mettre à l'extérieur, il n'y a pas besoin de les laisser là. Tu t'es endormi sur le stream hier, tu as manqué quoi? Eh bien, je vais te rediriger vers la VOD qui est en cours d'upload en ce moment, je suppose. Voir sur la VOD sur Twitch, comme ça tu sauras ce qui s'est passé. Mais on a avancé dans la maison. On n'a plus qu'à avancer un petit peu plus. Et je vais peut-être même faire commencer maintenant la toiture, puisqu'on a de l'ardoise qui traîne. Elle est où la jarre? Elle est où la jarre? Elle est là, la jarre. Parce qu'on a de l'ardoise, on a de l'argile. Donc il suffit tout simplement de faire de la toiture. Alors il me faut 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21. Attendez. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. On va déjà faire 36. On va déjà faire 36. Je sais plus comment on fait. 36 toitures inclinées. Marteau. Ah, alors attendez, marteau. Voilà. Oh, ça coûte cher! Hop, hop. Eh ben, il faut qu'on aille chercher de l'argile. Déjà, on va placer ça, ce sera pas mal déjà. Lumière. Elle est super stylée, non, je pense que même. Je préfère même à l'ancienne en vrai. Ah, attends, parce qu'on n'est pas encore à. On n'est pas encore à... au stade où on a. Parce que non, on a changé complètement drastiquement le design. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Sois un petit peu patient, mon petit haut. Alors, j'ai l'impression que. Non, il y a un problème. Attendez, il y a un problème. On va faire comme le stream d'hier. Ah oui, hier on a aussi fait beaucoup de visionnage de vidéos précédentes parce que je me souvenais plus comment du tout. Vu que j'ai supprimé ma sauvegarde en créatif, je n'ai plus du tout le patron en tête. Donc on va recommencer, on va aller retourner sur la chaîne YouTube. Et je vais aller revoir la vidéo sur laquelle on retravaillait la maison parce que j'ai un peu oublié. Épisode 22, je crois, de souvenir. Bonsoir à toi, Abondant, comment vas-tu? Alors, voyons voir. Il faut le moment où on a commencé à placer le toit. Est-ce que c'est à ce moment-là? Non, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à débugger la zone. C'est pas ça que je cherche. Allez, lance-moi la vidéo, c'est incroyable. YouTube, c'est chiant pour trouver des placements dans la vidéo, quoi. En même temps, c'est des vidéos de 3 heures, donc c'est normal que ça a du mal.
Mais niveau design, justement. Oui, bah. J'ai juste besoin de savoir. J'ai juste besoin de savoir le toit. Pas sur l'angle, mais sur les côtés. Donc j'ai besoin d'avancer encore dans la vidéo. Ah, et là, c'est la refonte de la tour totale. C'est pour ça que ça va me prendre du temps. Ah non, voilà, ok. J'ai pas. Ah! Pourquoi je pense à ça? Alors, c'est bien des planches, d'accord. Oh, c'est encore avant. C'est encore un peu avant. Faut que je revienne un peu en arrière parce que le toit là, il est déjà fait. Faut le moment où le toit ait commencé à se placer. Donc, c'est bien avant. Là? Oh là 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 là. Non mais là c'est le toit sur l'angle, c'est pas ça que je veux. Allez voir, on avait fini le toit sur le. En fait, ce que je voudrais faire, c'est. Vous savez quoi? On va faire un test. Fuck it. Alors, Vintage Story Data, Backup Save, je vais copier la sauvegarde. Et je vais l'ajouter dans la liste des sauvegardes. Je vais quitter le monde et on va charger la sauvegarde 1.17. J'espère que le jeu va pas crash. Mais je suppose qu'il va crash. Voilà. La sauvegarde de 128 heures, l'ancienne sauvegarde. J'ai un backup de son, comme ça on pourra toujours. On évite de détruire la sauvegarde de toute façon, comme ça on l'a toujours à 1.17. Et bonsoir à toi, Lérinoc, c'est bon, j'arrive à le prononcer correctement. Comment vas-tu? Bienvenue sur le stream. Merci pour le follow d'il y a 21 h. J'ai vu qu'il y avait pas mal de follow à la suite du stream de Jack, avec sa dédicace. Il prononce comme tu veux. Tu prononces, je pense, YE. C'est bizarre d'avoir écrit YE pour dire tu. Non? Je me permets. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va pouvoir charger la carte ou est-ce que ça va crash? Oh, nice. Me rappeler plus tard, on n'a pas besoin pour l'instant. Alors, bon, c'est normal que ça fasse ça. Ah d'accord, mais le Sequoia. Ah, attendez, parce que. Le Sequoia. Non, mais il y a des bugs. Alors, il faut qu'on vérifie le toit. C'est surtout ça que je veux vérifier, c'est le toit. Alors, la sauvegarde est freeze. Le toit, c'est-à-dire que c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est collé au sixième niveau. C'est collé au sixième niveau, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a un trou là. Donc, ce qui fait que l'escalier, il devient là. Ok, on va aller vérifier. Alors, maintenant, on sauvegarde 1.18. Mes gros doigts, désolé. On aura pas de problème. Hein. Aventure 3, voyons voir. Donc. Ça y est, j'ai déjà oublié. Il va falloir vraiment que je me fasse des. Il faut que je me mette en créatif. Enfin, que je fasse ça. Je vais récupérer la sauvegarde dans 1.17. Je vais changer la sauvegarde pour pouvoir être en créatif. Je vais prendre des petites impressions d'écran. Je vais essayer de la reconstruire en créatif, même à ce stade. Ça irait même plus vite si on la reconstruit en créatif, hein, franchement. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Critical error. Arti. Ok, le jeu il a crash. Alors là maintenant c'est le mauvais pressentiment que j'ai. J'ai le pressentiment que le jeu va pas arrêter de crash. Et ça c'est pas joli joli. Jeu solo, aventure 3, crash pas s'il te plaît. J'ai follow hier en effet, mais ça en fait une semaine que tu as découvert. T'as pas fait un rapprochement sur le mot. Ah! Tu venais de commencer le début de la troisième aventure, du coup tu viens voir en live pendant que tu joues. Bien! Eh bah, ben,
Re-bienvenue à toi en retard, alors, dans ce cas-là. Bien, bien. Ah, mais oui, mais on discutait d'hier. C'est toi qui avais parlé du mode Medieval Expansion sur les roues à aubes. C'est ça, les roues à aubes, moulin à eau, ils appellent. Allez, crache pas. Ne crache pas le jeu, s'il te plaît. Eh bien, c'est quelque chose que je devais faire. Hop, on va aller chercher le lien. Même pas le lien, on va même c'est. Voilà. On va mettre ça en épinglé jusqu'à la fin du stream. Comme ça, si vous voulez avoir de l'information sur ce genre de choses. Ah, alors, attendez, parce que. J'ai combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est cette hauteur-là. Sauf que j'ai l'impression que ça va pas du tout. J'ai l'impression que là, ça va pas du tout. C'est. Là, j'ai besoin de retourner sur la VOD. Faut juste que je vois le moment où j'ai construit la zone de stockage de bois. En fait, c'est ce moment-là que ça va faire. Et bonsoir à toi, Pipomo. Comment ça va? Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais il n'y a pas encore le toit entier à cet endroit-là. Faut... Ah là, c'est ok, j'ai la visu. C'est bon, j'ai la visu sur la VOD, épisode 22 de l'aventure. Épisode 22 de l'aventure 2 où on avait reconstruit la maison. Et c'est ça, c'est à partir de cet épisode que je suis en train de revérifier que tout va bien. Alors attendez. Attendez un petit instant. Faut... Lève la tête, Iclem. Lève la tête, Iclem. Lève la tête. Allez, on y croit. Lève la tête. S'il te plaît, lève la tête. Voilà, lève la tête, c'est bien. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Merde. Ok. Lève la tête. Non, il veut pas lever la tête. Il y a quelques modalités que je risque de piquer pour tester. Ouais, il n'y a aucun problème, c'est fait pour, hein. Moi, si je pouvais en plus développer un petit applicatif qui télécharge automatiquement des mods depuis le truc officiel avec des mod packs, un peu comme ce que fait CurseForge, vous savez, pour Minecraft, ce genre de choses. Et ce serait cool, quoi. Va à droite, va à droite, va à droite, stop! Ok. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond? Non, pas du tout. Ça correspond, mais pas du tout. Ah! Merde! Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais. Mais si, ça correspond! Mais si, c'est bon! Alors pourquoi? Ok. Argile, on va chercher de l'argile. Il fait nuit, fuck it, j'ai besoin d'argile. On a besoin d'avancer le toit, parce que là, faut que je me fasse une idée du toit, là. On a besoin de faire ça. Ça va, et vous 5? Bon, ça va, tranquille. Fin de semaine. Week-end de 3 jours. Bon, j'ai un aft sous la langue, donc ça fait mal quand même, mais ça va sinon. Comme d'habitude, j'ai tout le temps des aftes, ça m'énerve ça. Voilà, alors. On a besoin de faire 12 et 12, ça fait 24. Il nous reste 24 à faire. On va juste, au cas où, s'enfermer à la maison. Comme ça, on n'a pas de problème. J'ai besoin de... Hop, 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 24. 20, j'en ai fait que 20. 22, 23, 24. Ok, on en a 24. Qu'on remet. Et on a déjà plus d'ardoise. Merde! Va falloir en chercher. Heureusement qu'on a des zones de. Je crois qu'on a. Merde, faut que je. On a une zone d'ardoise quelque part au nord de la carte. Mais il faut dire qu'il faudra qu'on fasse une toute petite expédition pour y aller. Ok, alors. Voilà, toc, toc. Voilà.
Voilà. Maintenant, on va prendre. Alors, il faudrait qu'il fasse jour. Jour, s'il vous plaît. En train de finir de manger. Ah ouais, bien, bien. Et bah, bonne fin d'appétit. Il faut que je m'intéresse à ça. Ok. Manger. Lève-toi, réveille-toi. Allez. Voilà, qu'on puisse manger. Ah, on n'a rien à bouffer. Merde, on n'a rien à bouffer. Y a pas une petite baie là? Non, y a pas de baie. Y a pas de quoi grignoter là ici? Non, non, y a rien du tout. Ok. Manger. Alors, chercher manger. J'ai oublié de ramasser ma terre, mais c'est pas grave. Chercher manger. Ah, manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mouflon mort. Très bien. Ben, voyons voir si on peut dépecer mouflon et faire de la cuisine. Ce serait cool. Ouais, on a un peu de nourriture. Parfait. Génial. Formidable. Fantastique. Ils ont un peu de viande, on va pas mourir de faim trop vite. Je vais juste ranger la terre dans le stock de terre. Moyennement fertile ici, faiblement fertile ici. Cuisine, elle est déjà prête. 4-4, c'est parfait, donc on pourrait faire ça. Est-ce que ça vaudrait le coup d'ajouter quelque chose d'autre? Non, allez, fuck it. Non, mais il y a déjà des trucs sur le feu. Il y a déjà des trucs sur le feu, donc il n'y a plus qu'à cramer. Et je regarde ton message juste après avoir fait cramer ça. C'est parfait. Voilà. Alors, j'y pense. Je t'ai entendu lors de son passage sur le premier épisode conseiller à Jack Play de faire un trou pour piéger les animaux. Si tu veux les attirer dedans, plante des buissons et légumes viendront s'entasser dedans. J'ai des packs de 10-15 animaux dans un trou de 2x2. Ah. Ouais. Ok. Oui, on a de la. Sinon, il y a de la graisse ici. Il faut que j'aille chercher de l'ardoise. L'ardoise venir. Mais ouais non mais en fait moi je fais pas de trou moi en fait. Je fais pas de tranchée ou je fais pas de trou spécifique parce que ça, je trouve ça dénature. Ça fait pas réel. Sauf si je construis par exemple un château et que j'avais par exemple Medieval Expansion, si je l'avais installé par exemple, j'aurais pu avoir des ponts-levis et là faire des trous, les tranchées là ça aurait été intéressant. Sauf que je l'ai pas installé pour l'aventure parce que ben c'était pas un truc qui m'intéressait beaucoup. Et tout ce que propose maintenant le jeu de base, voire même quelques modes, permet de faire ce que j'ai besoin. Donc voilà. Puis mon but, c'est pas de faire un château. Merde, non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas lancer. Il faudra quand même aller chasser. Il faudra pas oublier de ciseler tout ça, mais il faudra pas oublier d'aller chasser. Très bien. Le boulot. Bah, le boulot. Le boulot, on va le stocker. On va aller. Alors, on va aller faire quoi? Parce qu'on a besoin. On a besoin de bois, donc on va aller chercher de l'érable. Bon, on a des haches, on a des silex, on a des ce qu'il faut. Tu as le mode Primitive Survival, il y a la possibilité de faire des pièges en mettant des branchages sur des trous. Oui, sauf que je l'ai jamais fait. Et j'ai peur d'oublier mes pièges. Enfin, je les note sur la carte, donc je ne pourrais pas être con non plus, mais j'ai peur d'avoir oublié d'avoir mis des pièges. Et je crois que c'est un peu compliqué, donc ça demande pas mal de ressources. Donc pour l'instant, je dis non. Pour là, les épisodes actuels. Mais pour le futur. On essaiera de redécouvrir le sujet, mais pourquoi pas? Ça a changé. Ben, on a changé surtout d'aventure, donc. À moins, t'étais là l'épisode 1, Pipou moi, non, je sais plus. Mais sache que s'il n'y a pas de. S'il n'y a pas de. Alors attends, je vais aller là-bas parce que c'est safe. Parce que si ici il y a des prédateurs, ici je veux pas trop mourir. Mais je vais te montrer parce qu'on a changé pas mal de choses depuis. Donc, et si tu n'étais pas là au premier épisode, on est en 1.18, donc on a évolué à mort le. On a évolué à la mort les choses. Voilà, je pense qu'ici on est safe. Alors, je crois qu'avant. Le point de spawn il est là. Au début on voulait s'installer ici. Sauf que ici c'était trop haut, c'était trop en hauteur donc on avait le froid. Et ensuite on a trouvé cette zone-là plate et c'est là qu'on a la base. Voilà. Et on a visité un peu tout ça pour l'instant. Ce qui franchement, pour un début de partie, c'était pas mal. Parce que lors 1.17, on n'était pas du tout allé très très loin que ça. Hein. J'aimerais aller voir là parce que ça ici c'est une montagne mais énorme le truc c'est énorme. Et ici on a des trucs géologiques, je sais pas si elle aura l'activité pour le futur, mais ici on pourra. Je sais pas ce qu'on peut faire actuellement avec ces trucs géologiques, je sais que c'est de l'eau chaude, mais on verra ce qu'on pourra faire. Voilà. Donc quelques trucs bien sympathèques. Bien, allez, de l'érable. On va encore couper du bois. C'est encore un épisode à passer à couper du bois, sérieusement quoi. Voir juste des bâtons que tu tailles. Oui, c'est vrai, oui. Je peux même. On avait fait ça sur l'aventure 2.5, qui était la fausse aventure 3, où j'avais coupé des bâtons, pris des cordages et j'avais fait un collet avec des baies. Pour les petits animaux, c'est vrai que c'est cool, ça permet de chasser plus facilement les petits animaux. Sauf que là, j'ai pas beaucoup de baies.
toutes les baies ont été bouffées de toute façon par n'importe quoi. Donc je pense que quand les buissons, les canneberges, les buissons de canneberges, on aura des baies, à ce moment-là on fera des pièges. Des petits pièges simples, des collets, ce genre de choses, et on. Mais je veux quand même, on est d'accord, pourquoi pas on fera des gros pièges avec des trous cachés, genre de choses, et des pics, tout ça, et des accès uniques en son genre. Tu as raté les deux derniers, tu as le premier et tu as vu le troisième. Ah oui, d'accord, oui, donc non, il y a eu pas mal de changements depuis. Depuis le dernier épisode, on a enfin construit le premier rez-de-chaussée de la maison, et là, je voudrais faire l'étage de la maison. Et ensuite, il faudra se concentrer sur la tour. Donc, il faut juste que je me souvienne de quelle hauteur on avait fait la tour. Donc, il faudra qu'on aille lancer la 1.17 pour récupérer la hauteur de la tour. Non, ok, c'est bon. Bien. On n'a pas de graines? Non, on n'a pas de graines pour l'instant. Ce sera intéressant de. Bah non, j'ai déjà ramené des graines à la maison, j'en ai replanté des arbres. Donc, fuck it. Mais peut-être pas cet épisode parce qu'on n'a pas de buisson de canneberge qui soit mûr. Ou je n'ai pas retrouvé récemment de nouveaux buissons qui offraient des baies. Ou avec ça, on va en avoir des planches. Surtout ça, c'est pour faire des planches, ça. En parlant de planches, il va falloir qu'on voit où on en est la durabilité de la scie, parce que on a utilisé la scie pas mal de fois. Est-ce qu'il y a des baies? Oui, il y a des buissons de baies, mais ah, oh, ils sont vides. Regardez-moi ça. Myrtille. Ah, myrtille, je prends. Merci pour la myrtille. Ça permettra de préparer. Ça permettra de préparer le. Alors, comment on appelle ça? Un verger. Un verger, c'est quoi? C'est pour les arbres fruitiers ou les tout ce qui est buissons, ce genre de choses. Comment on pourrait appeler ce genre de truc qui permet de planter des buissons de fruitiers? C'est pas un verger, on est d'accord. Putain, 7 buissons de myrtille, il m'en manque plus qu'un et on pourra faire de. Quand on aura la presse, on pourra faire du jus de myrtille. Il est où le dernier? Il en manque un. Il manque un buisson. Il manque un buisson. Allez-y, courez les petits lapins. Courez les petits lapins, on va vous poutrer la gueule avec des collets et des pièges. Pour le futur. Dans le temps. Dans quelques épisodes. Le temps que je motive à faire tout ça. Je pourrais peut-être chasser un des deux mouflons les deux mouflons qui sont là. Ça me permettrait d'avoir de la viande, mais sauf que l'inventaire il est plein. Donc, il n'y a pas d'autres buissons de myrtille. Il m'en manque un! Il m'en manque juste un pour faire du jus quand on aura un pressoir! Tu étais dans une forêt près d'un château avec des locustes. Ah! Oui, alors non, 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 non. Ah oui. On a commencé une aventure 3, mais l'aventure 3 précédente, je l'ai appelée 2.5. Et j'ai recommencé de zéro une aventure 3. En fait. Donc là, en fait, c'est une deuxième aventure 3, si tu veux. Donc là, ça a complètement changé, oui. Oui, si tu t'étais arrêté à l'ancienne aventure, oui, on a drastiquement changé. On n'a plus de château. Le château n'existe plus, parce que, bah, on n'est plus là où il faut. Bah tiens, il y a des navets mûrs ici. Parce que si j'ai assez de place. Ça permettra de pas trop mourir de faim, même si c'est que des navets. Ouais, en plus on a juste assez pour faire un petit breuvage de navets tranquille. Y a pas un petit bouchon de bichin. Je sais qu'on devait couper du bois, mais je batifole un peu. Oh, des cassissiers. Ah, oh, merde. On pourra toujours en récupérer. Pourra toujours en récupérer. Il y en a partout du foin, donc c'est pas ça qui manque. Groseillier rouge. On a quoi nous? On a du myrtille. Ah. On va le noter, c'est ici. Groseille rouge. Ah, il y a du bob en dessous. On va rentrer parce qu'on est plein. On va rentrer tout doucement. Parce que la barre de faim est pleine et j'ai pas énormément de nourriture. Quoi qu'on pourrait chasser, comme je le dis, mouflon, mais.
On va les laisser tranquilles pour l'instant. Pas du tout dans la bonne direction, mais ok. Mais là, il y a des petits arbres ici, là. Je vais en couper un. Quoique, durabilité 10 sur 70. Là, ça va casser avant, donc on va temporairement. J'ai plus de place, mais tant pis. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est. Hop. Voilà, on va se poser là. Couper l'arme, et normalement, si on coupe l'arme, on casse la hache et on récupère l'autre. Transparent. Je suis content de voir une nouvelle tête, comme je disais. Ouais, la communauté s'agrandit, ouais. Mais en tout cas, c'est grâce à un autre streamer qui est venu récemment, qui s'appelle Jack Play, qui je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Alors, on va faire la technique du j'ai la flemme de faire des allers-retours. Voilà, la technique du j'ai la flemme de faire les allers-retours. Mais si je manque des trucs. Mais c'est incroyable, je fais n'importe quoi. Voilà, on a repris un peu. On a repris le. Sur la soirée, non, c'est que ça. Ça va être long, hein. Allez-y, allez aux toilettes pendant ce temps-là. Allez, on va aller plus vite. Et. Alors, Twitch qui fait son caca capricieux. Titi, t'as regardé. Alors, Titi, d'après Twitch, tu es un ancien utilisateur du chat. Bonsoir à toi Titi, comment vas-tu? Non, ah! Laisse-moi faire ma technique du j'ai pas envie de faire des allers-retours. Ah, c'est incroyable ça. Alors, on n'ira pas pour l'instant là parce qu'il y a des locustes. Mais sachez que c'est une mission future. Ah, mais il y a des buissons ici. Canneberge. Mais j'ai pas la place pour prendre des buissons de canneberge. Et j'ai pas envie de mettre un autre set d'items dans ma technique du j'ai pas envie de faire des allers-retours. Ça va être long, putain, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Qu'est-ce que je suis con? Presque, la maison est juste là, hein. On venait de là-bas. Hein. C'est pas la meilleure des techniques, mais au moins c'est ma technique. Et on va plus vite. Non, c'est bon, on a tout.
Ah bah on a oublié les bâtons, voilà, on va trop vite. Là tu peux casser le cul pour rien parce que les bâtons ils me servent à rien. Je peux en faire plein des bâtons. Voilà, oh bah c'est plus rapide comme ça. Voilà. La technique du j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire des allers-retours pour stocker du stuff. Ah oui, alors là ça va commencer à me casser les pieds parce que si à chaque fois il va te dire que t'es un ancien du chat, je vais désactiver ça. Ancien utilisateur du chat, hop, ça dégage. Hop, voilà. Apparemment, je peux pas jouer et regarder la live en même temps. PC pas assez fort. Ce serait pas plus rapide de faire une boîte et tout mettre dedans. Chut. C'est plus rapide ma technique. Et de toute façon, c'est moi qui décide. Alors en revanche, faut scier. Donc faut scier. Ah, ça va, on est large. Si c'est bon. Ah. Voilà, on a des planches. Il faut poser les buissons. On va les poser les buissons, tiens. On va pas les mettre trop proches non plus l'un des uns des autres. Voilà, pourquoi? Parce que pour ça, même si je suis en train de le faire, c'est pas grave. Allez, de toute façon, c'est temporairement le temps que. Voilà, on a plein de planches. On va continuer la maison. Alors, continuer la maison, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse les murs. Enfin, le sol peut-être. Est-ce que j'aurais pas oublié des planches? Il n'y a plus de planches, on est d'accord. On a besoin de dalles encore. Ah mais attendez, je viens de réaliser un truc. On a deux dalles ici. Non, pas celui-là, l'autre. Voilà, on a déjà deux dalles, pourquoi on ne s'en sert pas? Les navets, on va les mettre là pour l'instant. C'est une idée, bien sûr, comme les autres. Oui, non, mais c'était une idée, hein. Il n'y avait pas de problème. C'est juste que... J'y avais pas pensé et en fait pour faire un panier il faut. De toute façon il faut faire un panier il fallait des roseaux donc il fallait que je revienne de toute façon à la maison donc Mais il faudra qu'on commence à réfléchir à évoluer les espaces de stockage parce que là c'est la merdouille. Voilà donc ça c'est l'étage. L'étage de la maison. Et là, ce sera un mur parce que ça, ce sera la tour. Le problème de la tour, c'est que j'ai oublié de quelle hauteur il faut le faire. Et en sachant aussi que... Alors, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Oui, ici, il faut faire qu'on fasse des planches complètes. Que c'est plus facile à placer après. Voilà, comme ça. Donc, pareil ici. Voilà. Parce que ça sera transformé. Bien sûr, la terre permet de faire un peu modèle, mais ce sera de l'ardoise. Et là, visuellement... ça se voit pas trop, ça c'est cool ça. Alors, ça se voit ici. Si je peux essayer, je vais essayer de faire un truc. Je garantis pas que ça va marcher. Mais si je veux faire dans le bon sens, comme ça. Et là c'est mieux. Là c'est mieux. Ah, c'est plus joli. C'est plus joli. Bien. Maintenant, c'est ça que je veux faire, c'est que. Faut pas oublier. Oublier que on a quand même ça à faire, sachant que ça va jusque là parce que ça ce sera le mur. Alors, je pense qu'on va commencer à faire le mur de la tour plutôt en priorité. Alors faut pas surtout pas faire des bêtises parce que maintenant que le mode in Apple Grove m'enlève combien il y a combien là il y a 1 2 3 4 5 6 ah oui 1, 2, 3, 4, 8, 12. Il m'en faut 12. 12 fois 2. 12 fois 2, on va dire. Pour qu'on fasse un mur assez haut. 12 fois 2, ça fait 24.
on se met dans le bon sens. Et on pose. Voilà. Et là, ça laisse 12 encore. Parfait, formidable, fantastique. C'est génial. Mais oui. C'est génial. C'est super. Ah. Hello, bonsoir à toi, Romano. Bienvenue sur le stream. Et donc tu faisais pas partie des follow de la journée, mais en tout cas, je crois que toi tu as déjà follow précédemment ou pas encore? Non, t'as pas encore follow. J'ai pas parti des follow de Jack lors de son raid, donc bon. Bien. Et ben tu as toutes les capacités de suivre la chaîne. En plus, tu pourras exécuter l'alerte de follow, qui est superbe l'alerte de follow. Wink wink. J'ai Jack hier soir. Oui. C'est ce que je me souviens. Oups, ah merde, je viens de faire une bêtise, j'ai changé la taille de la fenêtre. Donc on va corriger ça. Et merci du follow. Merci pour le follow, Romano. Et là, on fait quoi là? Parce que là, j'ai pas décidé de quoi faire. Déjà, on va peut-être faire le plafond. Ce serait pas peut-être pas mal. Donc là, on peut avoir assez de dalles. De toute façon, pour faire le plafond, parce qu'il en faut plein. Voilà, mais on en faut encore plus. Ben, on va aller couper du bois. À manger, il fallait qu'on trouve à manger, c'est vrai. Faut qu'on aille chasser du mouflon. À moins que dans 24 jours, 29 jours, 29 jours. Oui, d'accord, on va chasser du mouflon. On a échangé sur les modes. Oui, il y avait toi, oui, c'est vrai, il y avait toi, il y avait aussi d'autres personnes aussi, je me souviens plus. Mais oui, c'est vrai, il y avait toi. T'as encore un abri en bouse. Bah, j'ai encore une enclos en bouse, hein. Quoique, est-ce que le cheval, est-ce qu'il n'y a pas... Ah, si, il y a des loups. Ah bah. Et alors, comment on va procéder? On va procéder de la façon suivante. Voilà, parfait, génial. La tour de bouse, on se met en hauteur. Allez, viens là. Bien, bien, voilà, parfait. Allez. C'est là qu'il y a besoin d'un arc quand même et des flèches. Il y en a un qui s'enfuit. Voilà. Et de 1. Il en manque plus qu'un. Viens là. T'es où? Oh, raté. Oh, pas assez loin. Oh, bah alors. Ça l'a pas touché. Ça l'a pas touché. Elle est là. Dis pas que je suis en train de le pourchasser sur quand même 30 km de long. Yes. Aïe, yeah, tu es mort mon petit haut. À moi la viande. J'ai encore de l'entraînement, mais ça vient tout doucement. Non, les nanos aussi, on va prendre, parce que les nanos, c'est bien. Les nanos, c'est bien pour faire des... Et après, il faut pas qu'on oublie de tuer le petit chiot, parce que sinon, il va grandir et il va se trouver une femelle, il va encore faire un autre chiot, donc ça va tourner en boucle. Alors, à ce moment-là, c'est... J'ai oublié son pseudo. L'Aerinoc qui va me dire, « Ah, faut que tu fasses des pièges, j'avais raison !» Alors, peut-être pas cette voix-là, mais... Il est où le chiot? Il est où, chiot? Bon, il a disparu. Très bien. Mais DM, non. Bah, bien sûr que si. Alors, l'icône de la maison, on va faire la décaler, parce que c'est plus du tout au bon endroit. Voilà, maintenant, on a un peu de viande. Ah, ça, c'est marchand, ça. Base, supprimer. Clic droit ici. Base, épingler. Orange, maison, sauver. Voilà. Ça, de la graisse en plus pour faire d'autres si besoin lampes à huile. Alors malheureusement la marmite on va devoir la l'enlever parce qu'on ne peut pas cuire de la viande de gibier dans la marmite. On peut la cuire sur le feu.
Chaque fois, j'oublie dans quelle caisse on a les pots, la graisse, ici. On a pas mal de graisse. Vous voulez écouter du piano? On a fait un piano sur le dernier stream. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, le problème, c'est que si je... Voilà, bon, on va couper le piano. Est-ce que je peux le poser au sol, le piano? Si je peux le poser au sol... Ah oui! Ah oui! Quel musicien! Ouais, et je joue tout seul, ça joue tout seul. Alors, chose qu'il faut savoir, ce mode, si vous voulez vous éclater, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vous éclater, le mode, en fait, il propose, c'est des musiques customisées. Les musiques sont... Enfin, les fichiers sont en format ABC. Donc, allez chercher sur Google la notation ABC. Trouvez-moi votre objectif, si vous l'acceptez, trouvez-moi des musiques sur lesquelles on pourrait jouer dans le jeu avec différents instruments. Et en plus, ce qu'on pourrait faire, c'est que si un jour je fais une aventure multijoueur, on pourrait faire en sorte, excusez-moi, on pourrait faire en sorte de faire un orchestre avec d'autres streamers ou d'autres personnes avec qui on joue pour qu'on fasse un truc ensemble. Ce serait assez amusant. On prépare ça pour la prochaine aventure multijoueur si un jour on en fait une. Pour même ceux qui seront en multijoueur et qui installeraient le mode. Quelle tâche, ça, je connais, en plus je connais pas ce format. C'est un format assez spécial. Alors j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu en rapport avec le MIDI, mais c'est pas vraiment du MIDI. Dans le sens où pendant que ça cuit, je vais recouper du bois. Dans le sens où en fait c'est tout simplement des. C'est tout simplement. Alors juste vérifier rapidement. Sinon vous allez sur la liste des modes, vous allez sur le vous allez sur le. Sur la page du mod, et en fait le modeur propose une archive où vous avez ce genre de package. Comme vous pouvez voir en plus à l'intérieur. Et si j'ouvre moi vite fait de mon côté, en fait c'est tout simplement les lettres. C'est des lettres, vous savez, les lettres des A, B, C, D, E, F, G pour les notes, avec des chapeaux ou des tirets pour, je pense, les pauses, ce genre de choses. Enfin, il y a tout un petit langage, je pense pas que ce serait trop compliqué. Il y a même des sites web spécialisés où vous pouvez, sur ABC, vous cherchez ABC notation, et vous avez un site web complet, où vous avez plein de morceaux de musique avec cette notation-là. Donc si vous voulez écouter des musiques en jeu, par exemple, on attend et on va en jouer un peu de piano, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des liens, et on les installera sur la partie. Alors, évitez des musiques non libres de droit, hein. Donnez-moi des musiques qui soient de l'ordre de domaine public, qui soient faciles à streamer aussi, hein. Évitez de faire les cons. Je sais pas combien je dois en mettre, mais j'en fais 8 pour l'instant. Ok, et là, oui, bah, ça va être un mur, donc il faut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 déjà. Ok, et donc là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou alors après, si vous voulez composer vos petites musiques, bah c'est pratique ça. Et en fait, je suppose que le concept de la AB, le concept du AB noté, ABC Notation, ça doit être une notation spécialisée pour les partitions, en fait. Et tu peux les transformer en partitions facilement, quoi. Voilà, on a fini le KGB. Il reste 1, 2. Là, ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. On retire le morceau de terre qui, normalement, oui, bah, il tombe pas là où je voulais qu'il tombe. C'est pas grave, on peut faire ça. Voilà. Ça commence à prendre forme, c'est cool. C'est ce genre de truc. Ouais, c'est ce genre de truc, c'est ça. Non, quoique, ça, oui, ça ressemble un peu, je sais pas si c'est ça. Et ça, moi, de ce que j'ai vu dans le fichier, ça y ressemble. Sinon, attendez, on va faire mieux. Je vais vous envoyer le lien directement. Mode prévu, instrument. Voilà, allez voir ce mode. Allez voir ce mode, c'est tout. Il y a tout là-dedans. Il y a tout ce qui est expliqué là-dedans, en tout cas. Comment ça se fait que tu es abonné? Bonsoir à toi, Miral. Comment vas-tu? Bah, tu es abonné parce que Nico, dans un des précédents streams, s'est dit, je m'en vais. Merde, j'arrive pas. Je m'en vais offrir 5 abonnements et tu faisais partie des personnes qui ont eu des abonnements. C'est la page Wikipédia ABC Notation, donc je pense que c'est ça, ouais. Et enfin, ah, pour ceux qui connaîtraient Starbound, c'est ce qu'ils utilisent pour leurs instruments.
la notation a baissé. Donc il y a ça déjà dans Starbound, je crois, par défaut. Ok, je pense qu'on est bon, on va faire dodo. On va faire dodo, mais la cuisine, on n'oublie pas la cuisine, il faut qu'on est en train de cuire des trucs. D'accord, il va falloir chercher de la tourbe. Pas me fermer la porte à la gueule, mais chercher de la tourbe. Il va falloir qu'on refasse des outils en cuivre aussi, là on risque d'être en dèche là, donc on va faire fondre un peu de cuivre. Après c'est pas grave, on fera des pelles en silex. Là on n'est pas très très on n'est pas très à l'aise au niveau du cuivre et on est très très peu on a très peu de cuivre, donc il vaut mieux peut-être garder le plus de cuivre possible plutôt que de l'utiliser dans les outils qui sont pas si utiles que ça à ce stade de la partie. On va se focaliser possiblement sur les outils en silex. En revanche, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher du silex parce que j'en ai plus beaucoup. Je pense qu'avec ça, ce sera assez. T'as supprimé le serve? Oui, le Discord a disparu. Hein, il faut aller sur le Guilded. Sur le Guilded, iclem.fr/guilded pour ceux qui veulent rejoindre le Guilded. C'est la page. Oui, ok. C'est quoi ça? C'est The Legacy Jig. Après, à voir si on pouvait me l'envoyer. Enfin, si on peut l'ajouter dans un format fichier, je vais vérifier. Ils disent que c'est jeu Vintage Story ABC Classical. Je vérifie si c'est bien la même chose. Ouais, bah, ça doit être ça en fait. C'est juste que c'est noté différemment. Dans les fichiers que j'ai, en tout cas, ils sont différents. Donc je sais pas ce que propose la page Wikipédia de ce côté-là, mais c'était pas la même chose. Oula, pourquoi la lumière a changé d'un coup? Ok, on va laisser ça cuire et on va aller dodo. T'as supprimé le Discord ou juste ban tout le monde et supprimé l'invitation? Supprimer le Discord. J'ai fait clic droit dessus, supprimer serveur. Voulez-vous supprimer le serveur? Oui. Bye bye! Non, non, j'avais fait un don à Marco pendant qu'il était en live, je sais même pas s'il a pris les items. Ah ouais? Ben, faudra voir avec lui. Normalement, il stream pas ce soir. Mais je crois qu'il stream demain ou après-demain, je sais plus quand. Drastica, bah ouais, moi j'avais dit qu'au bout d'un moment, le Discord disparaîtrait, je l'ai fait disparaître, hein. Il les a pris les items, peut-être? Peut-être, peut-être? On n'a pas besoin de tout ça maintenant, on peut poser ça là. Faut aller le voir, faut aller voir sur son Discord, Amiral. Là, je pourrais pas te dire, je ne vis pas avec Marc Colérique. Ah, on avait commencé à faire le cellier, mais on n'est pas fini, parce qu'il faut qu'on aille chercher de la pierre de conglomérat, mais on s'est focalisé sur la construction des étages plutôt que de la cave. Même pas un everyone pour dire je supprime le serveur. Je l'ai annoncé qu'au bout d'un moment, le serveur allait disparaître. Ça a été annoncé, donc on en était là. Alors oui, c'est ça. Je vais réfléchir à comment on fait le mur ici, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait bloquer là, et ensuite mettre un mur comme ça. On a cette zone-là. Oui, on va faire ça. Ok, c'est pas mal ça. Alors on va essayer d'en mettre dans le même sens que ça. Dire toc, toc. Et là. 1, 2, 3, 4, 8. Ah, merde, je viens de faire une connerie. Tu peux check si tu peux convertir des MP4 en ABC avec Media Converter, même si ça se tiendrait. Ah, je n'ai aucune idée, c'est à toi de voir, ouais. J'aurais dû faire ça plutôt à la place. Je suis bête parce que là c'est un mur complet. 4. Éclair est prévenu, je sais pas combien de fois il a supprimé le serveur. Voilà. Merci abondant du rappel. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On peut pas toujours. Et il me manque juste un caillou pour la cheminée, parce que je veux la cheminée se ressort. Mais on verra la hauteur surtout du toit plus tard. Le problème c'est que j'ai fait ça et je peux pas la récupérer malheureusement. À moins que. Je vais faire un test. Non, malheureusement je peux pas les récupérer. On va les garder de toute façon, ça va servir pour la tour de toute manière. Faut juste que je gère.
Ah oui, mais non. Non, non, parce que là, il y aura le toit, donc là, il faudra... Ah, casse les pieds, ça. Non, il faut que j'enlève ça. Non, faut pas que j'enlève ça. Faut que j'enlève celui-là. Celui-là, celui-là. Ces trois-là, il faut que je les enlève, parce que c'est là où il y aura le toit, donc il faudra qu'on arrive à... Ah merde, faut le récupérer maintenant. Alors, attendez. Hop là. Après, il a utilisé le moyen 43 pour qu'on n'ait pas le choix. Bah oui, c'est ça. Tout simplement. Vous connaissez pas la politique, vous vous dites donc, hein. Et là, il faut que je fasse ça pour comme ça. On met ça ici. Puis on agrandit d'un espace en plus ici, ici et ici. Et ça me laisse 3 comme ça. Birdie Wing épisode 5. Nice. J'irai regarder ça après. Après le stream. Et il m'en manque un. C'est pour ça que j'ai ici ça. Pour finir tout ça. Alors en revanche, il va falloir qu'on commence à faire des escaliers plutôt. Parce que si on veut. Alors il faut que je délocalise ça à l'extérieur pour l'instant. Genre pour l'instant ici. Parce que là, il va falloir qu'on voit pour faire des escaliers d'abord. Que si on fait la même chose que ce qu'on avait fait sur la 1.17, il faut que l'escalier commence ici. On va aller scier de la plan la, on va aller scier du bois encore. Va faire 6. Tu as le mode pour les infos saison température? C'est HUD Clock. Tu regardes dans la liste de modes, je crois que c'est Simple HUD Clock, je crois. Et mon aimbot, c'est Better Archery, je crois, le mode. Les deux sont dans la mode, dans le pack, dans le mode pack. On va appeler ça un mode pack hein, à ce stade. Hein. Les deux sont présents dans le mode pack. Better Archery et Simple HUD Clock, un truc comme ça, je crois de souvenir. Alors là, je vais faire d'abord un escalier. Un escalier, c'est pas ça. Un escalier, c'est quoi déjà? Un escalier, c'est 3. Ah, c'est tout simplement 3. C'est pas compliqué alors. Voilà. Et en sachant qu'il faut une dalle aussi. Parce que, hop, hop, que là il faut pas une dalle. On va mettre plus haut. Voilà. La dalle elle va venir ici. Et là il nous faut une planche simple parce que là on n'a pas besoin. On n'a pas besoin ici d'avoir ça. Et là, il faudra mettre une autre planche. Comme ça, on a le stockage là. Ou alors, on ajoute ici. On verra ce qu'on mettra ici pour l'instant. On n'en est pas encore là. Et par là, c'est-à-dire que dans cette direction-là, on mettra la zone d'apiculture. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Tranquillement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ajoute une porte ici. Donc, il faut qu'on prépare à l'avance la porte. Faut mettre dans le même sens que ça, ou alors non, on va mettre dans, voilà, dans l'autre sens, comme ça, on sait que c'est différent. Une puerta. Non, dans le bon sens, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Perfect. Comme le spy le dirait. It's perfect. Je sais plus combien il me faut d'escaliers, mais on va le faire jusqu'à ce que. Non, pas là. Là. Je sais plus. Oui, c'est ça. Il faut que ça ce soit le sol. Ah, alors là, là, il me faut des planches. Comme ça, voilà. Escalier là. Dalle. Là. Mauvais sens. Le sens c'est celui-là. Non, bah non, mauvais sens encore. What the? Qu'est-ce que. Faut que j'arrête de faire ça, hein. Je sais que je vais tomber. Ah, L'escalier, de temps en temps, il est bizarre, hein. Si je fais ça. Non, bah il veut pas. Bon, bah il veut pas. Bah tant pis. Et là, il me faut ça. Pour placer ça ici.
Ah mais là, il me faut. Ah, alors, on va avoir un problème. Le problème, il est, c'est qu'on n'a plus rien. Faut qu'on aille chercher. Non, pas qu'on aille chercher, mais il faut qu'on aille bientôt refaire de. Alors, je sais plus si c'était à 360, c'est-à-dire que si on sort là, on ressort là. Parce que la hauteur, et c'est là que je vais revoir la VOD vite fait. Parce que dans la VOD, je peux à peu près compter la hauteur. Ah, ok, on tourne, on tourne, on tourne. C'est ça, ok, c'est bien du 360. Ça veut dire que la fin de l'escalier, c'est ici. Ok. Donc là, on fait une dalle. Et deux escaliers. Ah, alors, on va avoir un autre problème, c'est que. Et là, c'est dans le bon sens, là. Ah, mais non, les dalles, elles ont toutes le même sens. Ah, ok. C'est peut-être juste ça le problème. Bien, bah maintenant, il n'y a plus qu'à reboucher ce trou. J'ai sûrement peut-être fait trop. C'est pas grave, c'est ma faute. Non, il m'en manque un. Il m'en manque un, j'ai dit pas deux. Voilà. On a un bon début de maison. Et là, on a un début d'escalier. Formidable, fantastique. Non, non. Voilà. Juste vérifier que là, c'est bon. Alors, on va faire un test. Le souci, c'est que maintenant il faut vérifier que la salle est bien une propre salle à part entière. Donc, room debug, c'est ça. Alors, il faut faire slash room reg debug hi. Ok, comme ça on lui dit bonjour. Donc ça veut dire, ça c'est quoi cette commande? C'est une petite commande qui permet de vérifier que c'est considéré comme une salle à proprement parler. Alors en revanche, il a considéré tout ça comme une salle principale, une pièce complète. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on corrige ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que non, ça c'est pas une salle complète. Là ici il faut une trappe. Une trappe, comment on fait une trappe déjà? Trappe, il faut des bâtons et des planches. À l'envers. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est à l'envers. Ça coûte cher, hein. Donc on va mettre une trappe là. Voilà. Donc on va mettre un highlight. Et là si on réhighlight, voilà. Là il a considéré que. Voilà, il a considéré que la maison ici, ça c'est une pièce, et ça c'en est une autre. Enfin, tout ça c'est la même pièce. C'est ça que ça veut dire. Là, la porte définit la fin de la pièce, et la trappe a défini la fin de la pièce. Donc ça veut dire que ici, nous avons une vraie pièce. Mais ça veut dire aussi. Ça veut dire que aussi, ça. C'est considéré comme sa propre pièce. Et en sachant qu'en plus elle est dans le sol, après on mettra une porte ici, vous savez quoi, on va faire une même porte maintenant. Comme ça au moins, on va définir en sorte que ça si c'est bien ce qu'il faut, ce sera le sellier de toute façon. Alors non, la porte je la mets dans l'autre sens. Je veux mettre la porte dans l'autre sens parce que c'est plus joli. Si on enlève, normalement si on fait ça, non il veut pas, ok on recommence. Non il veut pas, donc là il considère pas ça comme une pièce. Ici, il considère ça comme une pièce? Non, il ne considère pas ça comme une pièce. Ah, parce qu'il faut que j'enlève ici. Voilà. On descend. Est-ce que ici, il considère comme une pièce? Non. Ah. Alors, c'est marrant. Je fais à cet endroit-là, il considère que la pièce, elle est là-haut. Donc, alors, un truc qu'on pourrait vérifier pour voir si ça marche. Si le sellier fonctionne, tout simplement. On va chercher une jarre. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. La jarre ici,
Regardez bien, la vitesse de décomposition elle est de 0,87, 0,58 et de 1,16. Je vais me délibérer de mes mains, je vais récupérer la jarre. Je viens de réaliser que les portes sont fermées, donc il faut reposer ça. Voilà. Là, ici, on est passé de 0,63, 0,42 et 0,84. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce, on n'est pas encore dans une pièce fraîche, mais la jarre décompose beaucoup plus lentement. On va continuer, on va aller se mettre en cave. Et c'est ça que je voudrais montrer à Jack, que j'aurais voulu montrer à Jack, mais bon. Et là, on a 0,2, 0,13, 0,27. Si je referme, on est 0,2, 0,13, 0,27. Et si on va encore plus loin, ici, si on se met là. Voilà, 0,2, 0,19, 0,13, voilà, avec la porte fermée. 0,19, 0,13, 0,26, au lieu de 0,2, 0,13, 0,26. Non, voilà. Et quand on, ici, on n'aura que du conglomérat, là, la vitesse de décomposition, elle sera drastiquement améliorée. C'est pour ça qu'il faut faire un cellier dans le sol, full pierre, si possible. Et comme ça, au moins, vous mettez vos aliments les plus frais possibles. Alors malheureusement cette jarre-là n'est pas prévue pour le stockage de nourriture. Chose, vous savez quoi, chose que je vais faire. Cette jarre-là va être stockage de nourriture, parce qu'au moins comme ça c'est fait. Je vais transvaser ça. Voilà, on va transvaser ça ici. Ça va venir là. Ça va venir là et là. Ça va pas du tout là. Ça va autre part. Et la graisse, elle va pas du tout là. Ah, alors attendez. S'il y a de la place là. Ce qui fait que on a normalement tout le minerai ici. Ça, ce sera le panier à minerai. Il faut que j'aille récupérer ça. Et ça va être le panier temporairement à bout. La jarre, non, la jarre doit contenir le navet. Non, c'est pas ça, voilà. Ok, voilà. On n'a plus de place dans l'inventaire. Donc on va poser les planches. On va récupérer la jarre. On peut descendre en dessous de 0,26 pour autre, car j'ai plus en dessous. Oui, c'est jeu de base. Zéro vingt six, je sais pas. C'est une très bonne question. J'ai pas suivi, mais c'est un mode qui permet ça ou le jeu? Qui permet quoi? La vitesse de décomposition de la nourriture? Si c'est ça, c'est oui, c'est comme le dit l'Erinox, c'est bien dans le jeu de base. Hein. Ça c'est donc le stuff de minage, donc ce sera pour la forge. Le jeu va vraiment loin. Oui, il va vraiment, vraiment très très loin. C'est non, on va pas le mettre là. Temporairement, on va le mettre là. Le jeu va vraiment très loin. Déjà, le jeu de base va très loin. C'est surtout ça le truc. Le jeu de base va très loin. C'est pas n'importe quoi hein, comme jeu. Hein. C'est vraiment, c'est puissant comme jeu. Là, on a déjà la lumière ici, donc ça sert à rien de la mettre là. Celle-là, on va la mettre ici. Alors, malheureusement, il faut que je vais la mettre là. Et le dernier morceau de lumière, on va le remettre dans la tour temporairement. Voilà. Tour qu'on a bientôt fini. Il faut juste que. Ah bah superbe. Les planches sont là, donc on récupère tout. Donc là, on peut. Allez, non, on peut réentreposer le panier au sol. Simple, logique. Je veux juste vérifier un truc. On a une trappe de trop, mais la trappe de trop nous sera utile pour le futur. Je réfléchis, on a besoin de nouveaux paniers, donc il y a peut-être possiblement besoin de refaire des paniers. Les graines, on va aller les ranger en bas, ce sera mieux. Et le pavé de conglomérat, on va le mettre là. Comme ça me laisse de la place. Et de toute façon, il faudra qu'on aille faire des planches. Là, on a besoin de planches. Temporairement, on met ça ici. On va finir la tour. Donc on va couper du bois encore. On fait 4, 8, 12. On va faire 12. Déjà c'est pas mal. Alors, en sachant que, faut faire attention, parce que j'ai dit faut faire 12, mais en fait, peut-être qu'il faudra pas faire 12.
trop vite. Voilà, tombe pas, c'est bon. Voilà. Petit instant, faut que j'aille voir la VOD. Est-ce que... Oui, c'est ça, ok. Donc, d'accord, donc le bois va jusqu'au sol. C'est-à-dire que le... Hop, et là il m'en manque, en fait, il m'en manque encore. Parce que le... Alors malheureusement, il faut que je fasse attention à ça, parce que ça va jusqu'au sol, ça. Ça veut dire si ça va jusqu'au sol, ça va jusque-là. Possiblement. Je vérifie quand même. Oups. Ah mais non, tombe pas plus bas. Donc, il se permet de tomber aussi bas. Voilà. Et le sol, il faut juste que je revienne dans la vidéo. Regarde le sol. Le sol, ce sont des dalles. Ah merde. Ah bon, c'est des dalles? Ah merde. Vas-y, descends. Descends, Eclem, descends. Oui, c'est des dalles. Alors, c'est pas que des dalles. Parce que je viens de réaliser que j'ai oublié un truc. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah oui, le cheval qui passe la tête. Quoique c'est... Alors attendez, parce que si c'est ce que je pense... Donc le sol... Ok, ça correspond. Donc, ça veut dire que on a le sol et juste en dessous du sol... 1, 4... Juste en dessous du sol, on a les... Ah, on a le bois. Alors attendez. Donc le sol... Le sol, il sera là. Le sol sera avec des planches à certains endroits. Je vais faire un test rapidement. Alors, en faire un seul. Une seule planche, juste pour vérifier. C'est-à-dire que si je fais bien les choses, possiblement ça veut dire que le sol il est là. Donc, le sol il est là comme ça. C'est-à-dire que le sol il est là, donc ça veut dire que si je respecte ce que j'ai fait, c'est ça comme ça. Et là, j'ai besoin de récupérer les dalles que j'ai là. Donc, ça veut dire que ça va me permettre de faire ce que j'ai besoin de faire. Heureusement que la porte est ouverte. C'est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est bon. Bien. Donc, il n'y a plus qu'à récupérer les dalles ici, sur ce niveau-là. On va juste retirer temporairement en fait les dalles qui sont là comme ça au moins on équilibre tout ça. On voit les mouflons dans leur enclos temporaire. Alors, faut que j'aille chercher les dalles qui sont sûrement tombées. Alors, je viens de réaliser que je fais tout le tour pour parce que, et là on a mis une porte comme là, hein, c'est pour dire à quel point je suis pas optimisé de ce côté-là. Ok, et il n'y a plus qu'à alors malheureusement on n'a pas ce qu'il faut. Donc, il faut juste placer. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on retourne chercher du bois. Encore. Alors déjà ce qu'on peut commencer à faire, pour déjà préparer ça à l'avance, c'est le sol. C'est-à-dire que ça, c'est le sol. Voilà. Jusque-là.
je crois que tout pile. Pas tout pile. Tout pile de trop. Voilà. Bien. Bien, 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 bien. Il n'y a plus qu'à. Alors. Est-ce que je mets des dalles ici? Ouais, mais non. Ouais, mais non. Ah, le problème, c'est que là, j'ai trop de. Que ça en fait, il faut savoir que ça, c'est le sol. C'est-à-dire, on va étendre le sol, en fait. Alors, on va essayer de mettre dans le même sens. Là, on va. En fait, le sol, il va aller jusque-là. Comme ça, on est assez large. Ce qui fait qu'après, au-delà du sol, ici, il y aura tout le reste de la des fondations. Je crois qu'on n'a plus rien à bouffer, on est d'accord. On a littéralement plus rien à bouffer. Juste un cheval là qui nous casse les pieds. Donc malheureusement le cheval, c'est génial d'aller au galop, mais alors. Cas où? Je peux pas l'atteindre d'ici. Je peux pas l'atteindre d'ici, donc je descends d'un cran. Il s'enfuit. D'accord, ok, il s'enfuit. Je pensais qu'il allait m'attaquer plutôt. Ben, on va le laisser s'enfuir, alors tant pis, pas grave, on n'ira pas le chasser. Hein. Non, en revanche, juste vérifier un truc. On a un peu trop de mouflons mâles, donc on va s'en débarrasser d'un seul. Ce sera pas la misère d'en avoir un de moins. Voilà. Ah mais... Il y avait déjà un mort, merde! C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui peuvent attaquer au travers, donc on va peut-être devoir murer un peu plus le... Mûrer un peu plus le la zone. Ok, c'est pas bon ça. Si on commence à avoir des mouflons qui meurent en plus. Il est où l'autre? Non, il est là, ok. Oh, c'est quoi cette musique? 2 secondes, c'est quoi cette musique? Ah, on aurait dit du opiou, le style de musique, mais non, pas du tout. Ce n'est pas du opiou. Ah, on a du foin ici, mais il sert à rien. Alors en revanche, il faut que je remonte. Donc, malheureusement, il va falloir qu'on perde un peu de terre. Alors c'est pas grave, on pourrait mettre une porte. Alors ça veut dire qu'il faut que je triple, enfin, que je double le mur, quoi. Parce que là, c'est pas. Chut. Bien sûr, les mouflons peuvent se faire attaquer au travers d'un morceau de terre. C'est pas bon ça. Voilà, quoique. Il n'y a plus de place dans l'inventaire. Merde. On va faire ça vite alors. Ah bah tiens. Il est déjà 21h30. Quoi, pardon? C'était quoi ça? Qui souffle dans mon nez, dans mes oreilles, pardon. Ou alors, est-ce qu'il meurt de faim plutôt? Comme j'ai pas fait de mangeoire et je leur ai pas donné à manger, est-ce que ce serait pas ça plutôt? Mais en 1.17, il pouvait vivre pendant très longtemps sans manger. Mais ça a été tué par une autre créature. Donc après, est-ce qu'il s'entretue? Je sais que j'ai appris que les coqs, si vous avez trop de coqs dans votre basse-cour, les coqs peuvent s'entretuer. Ça, c'est dangereux, ça. Voilà, double mur, comme ça au moins. Bon, il me reste plus beaucoup de terre, mais au moins ce sera ça de fait. Rien dans 5 minutes, ok. Le problème c'est qu'on a besoin de terre, parce qu'on n'en a plus du tout. On a énormément de viande. On va aller chercher de la terre par là.
On va éviter de prendre la terre là où il y a de la. Là, celle-là. J'ai jamais été autant en dèche de terre que le stream, que l'aventure précédente. On va le faire jusqu'à casser la pelle. Allez. Voilà, à plus pelle. Casser pelle. On a le nombre. En plus 64, on a le stack de terre complet. Est-ce que j'ai pas des échelles qui traîneraient quelque part? Dans un coffre. Je crois que j'ai placé toutes les échelles. Je peux peut-être faire ça alors. Parce que là, je récupère celle-là. Et je vais foutre une échelle ici comme ça. J'ai la capacité de monter ici. Ah bah oui, mais mes blocs. Ah, ils ont plus que 3. Oui, bah oui. Et bonsoir à toi, Ilki. Bienvenue sur le stream. Ilki. Ah bah, merci du follow. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Hop, ça vient là. La graisse, elle vient là. Et on va faire cuire tout ça. Un petit peu de viande. Alors, hop, on va aller chercher les navets qu'on avait stockés. Parce que de toute façon, ils servent à rien autrement que dans la cave. Hop. Alors, 1, 2, 1, 2. Parce qu'on ne pourra pas faire plus. Parce qu'on n'a pas beaucoup de navets. Quoique si, 4. On peut faire 4 en fait. Voilà, 4, 4. Ok. Non, pas la torche. Je veux pas cramer la torche. Elle est où la lance? On a perdu une lance? On va déjà ranger ça. Ah, il me faut un nouveau panier. J'ai plus de place dans les paniers. J'ai perdu ma lance? Elle est cassée la lance? Ouais, elle est cassée la lance. Bon, on va refaire une autre. On va refaire une lance et une pelle. Et une pelle. J'allais chercher du silex, là j'en ai plus du tout. La pelle, on peut la faire en os ou pas? Non, faut la faire en bâton. Pelle en bâton, lance en bâton. Voilà. Ok, les planches, on peut les stocker les planches. Il suffit de faire ça. Ici, ça cuit tout doucement. Les dalles, les dalles, les dalles, les dalles, les dalles, les dalles. Pourquoi j'en ai encore deux sur moi? Parce que il faut qu'on voit comment on peut faire la suite. Temporairement, les dalles. Il n'y a pas la place là-dedans. Ah, attendez, parce que ça, je peux ranger, je peux déranger, donc ce qui fait que je peux ranger là. Tranquillement. La trappe, je peux la mettre là. Là. Là, ça cuit tout doucement. Ah ben là, c'est vide, oui, ben il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de toute façon à entreposer là-dedans, quoique je peux peut-être entreposer la terre. Mettre 32 à l'intérieur ici et ici. Comme ça me laisse 32 pour moi. Allez, c'est bientôt cuit. C'est bientôt cuit, mais peut-être qu'on va en mettre un peu sur le feu. En sachant qu'il faudrait que je commence l'autre feu pour faire ça. Non, il faut. Non, déjà, on va faire cuire un autre morcette de viande, comme ça on fera du stockage de viande. Là j'ai mis combien? Là j'ai mis 4 portions de viande rouge. Alors, 4 portions, c'est un pot. On a 4 autres portions. Là on va retirer la marmite pour faire chauffer les 3 derniers morceaux de viande. Alors Birdie Wing c'est bien mais je veux que la notification s'en aille pour l'instant. Faudra pas qu'on oublie de faire un couteau bientôt. Ok.
Allez, ça cuit tout doucement, ça cuit un peu aussi. Il faut qu'on aille chercher de l'argile réfractaire pour faire un four. Pour le four, qu'on puisse cuire correctement la viande. Parce que là, la viande, malheureusement, elle est cramée à chaque fois. Donc, moyennement, aussi, bien sûr, à ce qu'on cuise ce genre de choses tranquillement aussi. Hop, voilà. Et on va stocker ça au-dessus. Voilà. Malheureusement, ça va continuer à cuire, enfin chauffer. Là, je peux retirer ces deux morceaux-là et les reposer là. Et ensuite, on récupère la viande cramée et on la mange. Voilà. Et on remet la marmite. Mais ça donne un peu mieux que la viande de gibier cramée quand même. C'est pas la meilleure, mais c'est mieux. Et dodo. Voilà, j'enlève la lumière parce qu'il y a toujours de la lumière ici, tranquillement. Et ça fait déjà 1h20 de stream. Comment ça va? En forme? Ça vous passionne ce que je fais? Petite question, des avis sur le sujet? Piano. On a de l'argile, on a de l'ardoise sur soi, donc on peut aller récupérer un peu d'argile, faire des toitures. Ce serait intéressant. Impec. Tu regardes d'un œil et t'écoutes d'une oreille. Oui. Puis je suppose que tu dois aussi lurk aussi chez Jack, peut-être. Toujours enrichissant. Bien. Alors comme ça, on pourra faire des tests. Enrichment Center, le centre d'enrichissement d'Aperture Science. Vous êtes prêts à faire des tests? Moi, oui. Je suis prêt à vous faire tester. Je viens d'avoir une idée. Imaginez le jeu, c'est Portal, sauf que c'est Portal Coop, sauf que il y a un des deux, il y a un joueur en plus, un troisième joueur qui est GLaDOS et qui envoie des salles de test aux joueurs, mais en mode temps réel quoi. Oh, ce serait marrant ça. Alors, on va utiliser les échafaudages qu'on a ici pour monter là-haut, parce que là on a besoin de monter. Bon, malheureusement, il faut qu'on le fasse là, ici. Non. Si je fais shift clic droit, ça fait ça. Je veux pouvoir poser l'échafaudage au-dessus. Non, c'est pas ça. Il y a une méthode alors pour poser l'échafaudage au-dessus, mais je sais pas c'est quoi. Voilà. On a un bel échafaudage. Malheureusement, il manque un petit peu de hauteur. Donc ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai. Non, j'en ai que deux. Il n'y a pas un arbre qui a poussé là. Ah si, il y a deux arbres, trois arbres, quatre arbres, parfait. Est-ce que vous avez des vignes sauvages sur vous? Non, bien sûr que non, bien entendu. Les vignes sauvages ne poussent que sur les arbres sauvages. C'est tout à fait normal. De toute façon, on a coupé du bois, donc... Il est encore là, lui? Donc c'est incroyable ça. Ah non, j'ai que deux écrans, mon jeu et ton stream. D'accord. Mais si c'est pratique, c'est quel mode les échafaudages? Alors je sais qu'avant j'utilisais Simple Scaffolding, mais ce mode est un peu vieillot, un peu archaïque. Et celui-là, ça fait partie de. Merde, ça fait partie d'un autre mode. Ça fait partie de Workbench Expansion. Voilà. C'est un cordage, un couteau et trois bâtons. Je crois que c'est que de la corde, c'est pas du cordage. Ah mais je suis persuadé, hein, il y a des buissons qui repopent. Hein. Le truc c'est que là on a plus de cordage, donc on est chercher de la vigne pour ça. Il nous manque un étage. De toute façon, on a une expédition à aller chercher du bois. Qu'on va aller faire expédition à aller chercher du bois. Quoique, est-ce qu'on n'a pas le bois qui traîne quelque part? On a ce bois là sinon. Non, j'avais besoin de ce bois, du bois d'érable pour l'instant. Donc, expédition bois de toute manière. Ouais, expédition bois et expédition roseau pour faire des stockages. Non, le piano, je vais pas le prendre, à moins que.
connaît tous. Ah oui, alors ça va se répéter, hein. C'est pas le morceau complet, hein. Ah si! Ah si, c'est le morceau! Ah, je m'attendais pas à ça. Soirée karaoké après. Non, moi j'aime pas le karaoké. Bref, assez joué du piano. En plus, c'est le mode instrument. Le mode instrument ajoute plein d'instruments en plus. Regardez, il y a l'accordéon, la guitare acoustique, la clarinette, la batterie, le dulcimer, le piano, la harpe. Alors, le peigne à boîte à musique, c'est juste un ingrédient, un accessoire, enfin, un composant pour faire la boîte à musique, un cône de bloc à musique, un saxophone, une trompette, un archet pour le violon, et on peut faire même un bloc à musique. Où là, je suppose que ça doit vraiment lire de la musique dans des vinyles, quoi, à ce stade. On pourrait faire un saxophone, mais pour ça, il faut le forger. Et vu la taille du truc, je suis pas sûr que ce soit un truc à forger facilement, quoi. On pourrait faire un microphone, mais c'est pas top au niveau de la voix du personnage. Une harpe, c'est juste de la ficelle. Un dulcimer, c'est facile, c'est de la ficelle, un peu de planche. Une batterie, il faut du cuir, donc on n'est pas encore là. Une guitare, il faut un peu de ficelle, une bûche, une planche, mais j'ai pas assez de ficelle malheureusement. Et un accordéon, faut du cuir. Et une batterie, non, batterie, on a déjà vu, c'est la clarinette, du roseau, et une bûche de. Ah, juste du roseau et une bûche? Oh! Roseau. Bûche. Couteau. Ah! Il se peut qu'on puisse pas faire de clarinette. Ah, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. Hop. Et on a une clarinette! Non. Bref, tais-toi. Est-ce qu'on peut la poser? Oui, on peut la poser. Nice. Allez, du bois. On a besoin de bois. On a besoin de manger aussi. Non, manger. Cuire la viande qu'on a trouvée et la manger ensuite. Pendant que ça cuit, je vais aller chercher à manger en bas. Il me faudra une table, il faut que je fasse une table aussi. 25 jours, 25 jours, parfait. Non, il faut que je sorte le bol avant. Ouais, ça me rassasie bien, parfait, j'ai pas besoin de plus. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de prendre le bol. J'avais dit que j'avais besoin de quoi? Une table. Non, pas AB. Une table. Table en bois, c'est que des planches. Et que des planches. Ben, on en a. Mais je crois qu'on avait que ça en plus. Oh non, non, encore. On va mettre une table surtout en bas. Surtout en bas, parce que comme ça me permet de récupérer les pots. Ça veut dire que on pourrait mettre la table au centre, genre par exemple là. Comme si on peut faire ça, comme ça on est tranquille. Ou sinon on met la table dans le coin, on verra. On pourra toujours réagencer les éléments selon les besoins. Hop. Et on retourne en expédition couper du bois. C'est bon? T'es calmé? Oui, t'es calmé. Il faut une deuxième hache. Faut qu'on trouve du silex bientôt.
Avant de couper, on va voir si on peut récupérer de la vigne. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de vigne ici. Est-ce qu'il y en a là? Alors, la nuit commence à tomber tout doucement. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a peut-être. Ah, j'ai cru voir. Oui, il y a un peu de tronc là, mais non, il n'y en a pas l'air d'y en avoir. Et là. Brrr, allez, vous savez quoi? Tant pis, c'est pas grave. On coupe le bois déjà, ce sera important. On a besoin d'avancer un peu de ce côté-là. En tout cas, bonsoir à peut-être ceux qui nous auraient rejoints. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives. La semaine prochaine, le planning, ce sera la suite de Vintage Story et possiblement une petite découverte sur Void Train qui sortira sur Steam le 9 mai. Souvenir. On fera un stream pour l'instant et on verra si on en fera plusieurs ou pas. Mais au vu des aventures que j'ai à gauche à droite, je pense qu'on fera un seul stream déjà pour découvrir et après on verra. En conséquence, il faut avancer. Mais on fera principalement du Vintage Story. Et après, je pense qu'au fur et à mesure du mois de mai, on évoluera le planning pour remettre Factorio et peut-être OpenTTD aussi. Ça dépendra de mon engouement sur Vintage Story. Mais voilà, j'avais besoin cette semaine de me relancer sur Vintage Story, de reprendre le jeu, l'aventure, et surtout de se rétablir un bon petit démarrage tranquille. Et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sur Guilded, qui est un clone, une alternative à Discord, je dirais, n'hésitez pas à aller sur iclem.fr, vous aurez le lien d'invitation vers le serveur Guilded ou iclem.fr/Guilded directement. Pour ceux qui voudraient voir les anciens épisodes, vous avez les VOD sur Twitch pendant 60 jours, je crois. Et si vous voulez voir d'anciens épisodes, allez voir sur la chaîne YouTube, youtube.com/iclem ou iclem.fr/YouTube. Voilà, on a coupé tous les arbres, il n'y a plus d'arbres, donc ils peuvent plus se protéger, ces mouflons. On va pas le tuer maintenant, ce serait un peu vache de ma part. On a récupéré une vigne, comme ça on pourra faire une petite corde pour faire notre dernier échafaudage. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une ruine, une grosse ruine. Il serait intéressant d'y accéder pour récupérer du loot. Sauf que il faut savoir un truc, c'est que dans cette grosse ruine, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour ceux qui sont arachnophobes, tournez l'œil, maintenant. Oui. Il y a des choses ici. Il y a une lance. Je prends la lance. Je m'en fous, je prends la lance. J'ai recraqué les nourritures. J'ai pas la place, malheureusement. Ils sont pas là? Il n'y a pas de locustes? Il y avait des locustes ici. Ou alors c'est pas ici. Ou alors c'est pas ici. Ou alors c'est pas là, c'est au-dessus. C'est au-dessus qu'il y a des locustes. Il y a des champignons. Il y avait des locustes quand je suis arrivé. Bon bah non, bah les arachnophobes, vous pouvez revenir sur le stream. Il y avait pas d'araignées. Il y avait pas de locustes. Il y avait des locustes avant. On est d'accord, ceux qui étaient là au premier épisode, on a découvert la ruine. Vous pouvez pas rentrer dans l'arène parce qu'il y avait un locuste qui était devant l'entrée. J'ai pas rêvé. Ou alors ils ont disparu. Ce qui serait fort étonnant. Il me suit toujours, non, il me suit plus. Lui, il est toujours là, hein. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est toujours là. Tu t'en souviens? Ouais, voilà. Je suis pas ouais, je suis pas malade, quoi. J'ai pas mangé un truc qu'il fallait pas. Hein. Tôt. Bâton, 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 échafaudage, couteau à la place, et on ajoute échafaudage là-haut. Alors, là-haut. Voilà. Il y en a de quoi monter sur le toit, tranquillement. Je me souviens de t'avoir entendu parler de locustes lors du replay. Ouais, bah oui.
Vous savez quoi, on va faire une... avant le fin du stream, on fera une petite expédition en mode, je dirais, juste pour voir si vraiment ils sont encore là. Et s'ils sont plus là, on fera une grosse expédition plus tard. Ok, on va y ranger quelques items. Ça surtout. La hache, on la garde. Enfin, vraiment qu'on fasse du stockage. Là, on va aller chercher du roseau parce que là, j'ai besoin de stock d'espace de stockage en plus. Non, là-bas, le roseau. On en a plein là-bas, on va se servir. Voilà. Il me reste combien? 17? Bon. On devrait faire un coup de tour en même temps alors. Je vais me protéger. Alors ça, on va mettre ça là. Je vais faire un petit coup de tour en plus. J'ai plus beaucoup de silex. Comme je le dis, il faut qu'on fasse du silex. Je crois que le couteau, je peux le faire avec des ossements. Voilà. Parfait. Comme ça, si le tuer, il pète. J'en ai un de rechange. Voilà, il a pété. Maintenant, ça va puer dans l'appart. Satané couteau qui lâche des gaz. J'ai tout récupéré, hein. Oui, ouais. C'est marrant le fait qu'on voit les particules de sable que je lève du fait que je marche dans l'eau. Ça, j'aime bien ça. Ça, Minecraft, il proposerait pas ça, Minecraft, hein? Hein? Les 45, on devrait avoir un stockage en plus, c'est bien. Voire deux. Alors, stockage, donc je crois que c'est ça. Voilà, je crois que c'était ça. Hop, voilà, et on a un stockage en plus. Je vais mettre tout le bois là-dedans. Le bois. Ici, ça c'est pas du bois en soi, mais on va dire que oui, ça on pourrait le mettre à l'extérieur, ça n'y a pas besoin. Parce qu'on peut le poser tranquillement. On peut le sortir des stockages. Des bâtons, on va le mettre là où il y a du bois. Ça serait pour la forge. Ça, on va mettre ça là comme ça. On va ranger le reste ici. Ça vient là, ici avec moi. Ça, c'est la marmite. Qu'est-ce que fout la marmite dans mes mains? Je me pose bien la question. Bien. Le lit de foin, est-ce que je peux le récupérer, le lit de foin? Non, malheureusement, le lit de foin, je pourrais pas le. Quoique, je vais faire un test. Si je mets le lit de foin et le couteau. Si, je peux récupérer de l'herbe sèche, parfait. Ça, je crois que ça doit être un mode qui permet de faire ça. Je le suppose, ce qui permet de faire, je crois que c'est, non, je sais plus. Il y a sûrement un des modes dans la liste qui permet de faire ça. Lequel? Aucune idée. Trouvez-le, ce sera cool. Et je pense qu'on est bon. On a ce qu'il faut maintenant. On va faire la fin du toit maintenant. Dire que. La fin du toit, c'est-à-dire je veux surtout faire cette partie-là, cette zone-là. Parce que là c'est bien, mais c'est moche en fait. Avec toute cette terre là. Alors le problème c'est qu'il faut que j'aille chercher. Voilà, faut que j'aille chercher tous les blocs de terre qui sont là. On va remonter l'échafaudage. Tomber. Tomber là où il y a la terre, retomber au sol et recommencer. Voilà. Alors on pourrait même commencer là en fait. Hop. Voilà. Alors il nous faut. Il faut combien? 1, 2, 3, 4. Il faut 4 de chaque. Déjà
Déjà, on va poser 4, déjà pour voir ce que ça donne. Aïe. Ok, c'est bien 4. Donc 4, 8, il m'en faut 8 encore. Oh, cette musique, elle me dit quelque chose. Ah bah bien sûr! Moi, je pensais que j'allais tomber sur le toit, je tombe entre les deux. On recommence. Ah non, la musique me disait quelque chose, mais non, c'est pas du tout ce que je pensais. Bien. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc malheureusement, il va me manquer de l'ardoise. Oui, il va me manquer de l'ardoise. Merde! Ah, je peux le récupérer, cool. C'est bon. Je pensais qu'il allait tomber en mode. Ouais, il m'en manque un peu. Bien sûr, on va étendre le toit pour qu'il aille un peu plus loin, bien entendu. Là, je sais pas ce qu'on mettrait, mais on mettra quelque chose, en tout cas, parce que c'est une petite zone bien sympathique. Normalement, peut-être qu'on enlèvera les dalles de conglomérat ici, mais on mettra quelque chose, en tout cas, ici. Bien, bah, on a utilisé toute l'ardoise qu'on voulait. Malheureusement, ah, on peut faire ça aussi, c'est vrai. Le foin, ça sert à rien de le stocker dans les coffres. On pourrait le stocker hors des coffres, le foin. Comme ça. Ça, je crois que ça doit être le mode qui permet de gérer les champs, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Fields of Gold, je crois que ça s'appelle. De souvenir. Bien. Quelle heure il est? Il est 22h12, donc dans pas longtemps, on va pas tarder à s'arrêter. Qu'est-ce qu'on aurait à faire? On va aller dodo, in-game. Dodo. Donc, prochains objectifs pour le prochain stream. Notez-les. Notez-le si vous êtes là. Il nous faut récupérer de l'ardoise pour finaliser la première partie du toit. Il faut scier du bois pour finaliser la tour. Il nous faudra aller chercher du conglomérat pour finaliser la cave, le cellier. Et il nous faudra aller chercher aussi du bois pour faire les étagères de cuisine. On parle d'étagères de cuisine. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Alors, attendez, parce que je crois qu'on a ce qu'il faut, en fait. C'est quoi? On va aller faire les étagères maintenant. On a ce qu'il faut. Faisons les étagères maintenant. Je crois que les étagères de cuisine, c'est Cupitec qui ajoute ça. Alors, je me suis trompé hein, quand j'ai dit Cupitec hier. Cupitec, en fait, c'est un mode qui permet d'ajouter de l'industrialisation dans le jeu. Un peu comme le ferait Mécanisme et tout ça. Alors, je crois qu'il faut. Alors, attendez. Il faut lower, c'est vers le bas. Middle, c'est au milieu. Et upper, c'est tout en haut. Donc, on va faire ça. Donc, il me faut le marteau, la scie, marteau, scie et des planches. Voilà, plein de planches. Merde, raté. C'est pas ça? Ou alors, le marteau et la scie, c'est inverse. Voilà. Donc, on fait le upper. Ensuite, on fait le under. Le middle, pardon. Et le reste. Alors, le reste, malheureusement, il y a trop de planches. Il n'y a pas assez de planches. Merde, il manque des planches. On va faire des planches. Alors déjà, on va placer donc Maple Mid, voilà, Maple Upper. Et c'est des sauces, des gros coffres de stockage, parfait ça! Formidable, fantastique! Attendez, je vérifie. Là, il nous en manque beaucoup. Donc des planches, donc on va sortir un morceau de bois. Il est où? Bien sûr, c'est le dernier que j'ouvre. Un seul, pour faire différentes planches. Il faudra pas oublier de faire une cuisine. Aussi, une cuisine, un évier, pardon, pas une cuisine. Parce qu'on est en train déjà de faire la cuisine. C'est inverse. Et là, c'est le lower. Parfait. Et les planches restantes, on va les ranger. Mais avant, on va ranger les outils. Voilà. On a
Attendez, upper, bid, lower. Oui, parce que lower, d'accord, je viens de comprendre. Lower, parce que c'est comme si c'était un plan de travail. Et le upper, je vais juste vérifier le upper, vite fait, ça ressemble à quoi? Oui, c'est ça, le upper, c'est vraiment en mode. Bah, c'est pareil, en fait. Ah non, mais le lower, on a une petite, je dirais, voilà, on a ça et ça, alors que le. Oui, ok, d'accord, donc ça, c'est logique. C'est juste, ça fait bizarre en fait. La couleur, il est où le dernier? Il est là. Hop, voilà. Et on a trois coffres de stockage. Et en plus, on a des vitesses de décomposition faibles. Donc, on pourrait stocker des trucs dedans. C'est-à-dire que les paniers, on n'en a plus besoin. Stockons la graisse dans une des placards. Placard du bas. Va laisser ça comme ça. J'ai des planches encore? Ouais, j'ai des planches. On va les stocker ici, les planches. Voilà, on pourrait même faire ça. Tiens. Si on peut stocker les. Oui, voilà, on peut faire ça. Comme ça, on peut stocker ça ici. Alors, ça aurait été cool que le mode ajoute une animation d'ouverture, mais bon, on peut pas tout avoir. Bien! Bien, 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 bien. Alors, je vais quand même vérifier un truc. Quand même vérifier un truc. Oui, ah oui, si, on a du bois, attendez. Parce qu'on est allé chercher du bois, pas pour ça, mais. Voilà, 15, voilà, parfait, 15, c'est bon. Voilà, on ajoute ça ici, donc il va recouper encore des arbres, mais c'est pas possible. Je suis un gourmand en bois, c'est. Le président avait dit c'est la fin de l'abondance, mais là, niveau des ressources, je suis à fond, quoi. Et là, si on. Mais pas parce que ça, c'est le toit, parce que sinon, on risque de dénaturer un peu la jaune. Sympa tous les modes. Ouais. Il y en a certains qui sont vraiment sympas, il y en a d'autres qui ajoutent vraiment des trucs que tu t'y attends pas du tout. Et il y a beaucoup plus de réalisme maintenant dans le jeu avec tous les modes ajoutés. Ah si, j'ai une idée. Je vais faire des planches. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Il me faut des planches de. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, il me faut des planches de boulot. Pourquoi? Parce qu'on va faire un truc. Vous allez voir. C'est à moins qu'on a déjà des planches de boulot ou pas? Pourquoi j'ai fait? Est-ce qu'on n'a pas des planches de boulot quelque part? Où est-ce qu'on. Pourquoi on a utilisé du boulot au fait? Parce que j'avais pas 5 de. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va faire des planches de boulot. Pourquoi je fais des planches de boulot? Parce que je veux faire ça. Alors, on peut faire soit du boulot, on peut le faire en boulot érable comme ça, ou à l'inverse, érable boulot. C'est-à-dire que la différence, c'est que là, c'est plus clair et c'est foncé dedans. Alors, est-ce que ce serait intéressant? Est-ce qu'il y a un des modos qui est encore là? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Le sondage est le suivant. Est-ce qu'on fait notre sawbuck en boulot érable ou en érable boulot? Voilà, ce sera ça le sondage. Donc un sawbuck, alors en français ce serait quoi pour donner le sondage en français plutôt? Si on traduit sawbuck, c'est une scie. Ah. Une scie. Bon, un espace pour scier du bois en érable boulot ou en boulot érable. Voilà. Comme ça, c'est vous qui allez décider pour la suite de ça. J'attends que les modos fassent banc de scie. Merci. Un banc de scie, c'est pas mal comme traduction ça. Un Banshee. Ça fait comme si on disait Banshee de la voiture, mais ça n'a rien à voir. Et non, ça c'est pour copier les. Quelle combinaison? Allez-y, allez-y, votez. Boulot érable ou érable boulot. Je rappelle, boulot érable, ça va ressembler à ça. Alors, si je fais des bêtises, boulot érable, ça va ressembler à cette couleur-là. Blanc principalement et foncé au milieu. Et érable boulot, c'est l'opposé. Comme ça, ce sera foncé devant et mi blanc au milieu. Pour l'instant, vous êtes tous d'accord pour le boulot érable. C'est-à-dire que c'est boulot principal, c'est ça, j'ai décidé boulot principal et érable comme ça. C'est-à-dire comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas défini l'ordre. C'est-à-dire que boulot c'est le principal, érable c'est le secondaire. Enfin, à gauche c'est principal et à droite c'est secondaire. Donc si vous considérez que vous êtes trompé dans les votes, on pourra refaire le sondage.
pour l'instant, ça a l'air d'être bouleau érable. Donc ça veut dire que ce sera ça. Si vous voulez changer de vote, dites-le dans le chat et on refera un sondage dans le bon sens. Je crois pas qu'on vous a laissé la capacité de changer. Après, bon vote pour moi. D'accord. En tout cas, vous êtes tous d'accord pour avoir du bouleau érable. Donc, ce sera ça. On va encore attendre un peu. De toute façon, le sondage est à la moitié du temps. Si vous voulez changer d'avis, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas. Si vous avez déjà voté. Il y a eu le queval. Il est là. Est-ce qu'il monte aux échafaudages, le queval? Non, il monte pas aux échafaudages. Oula. Vraiment, c'est plus gros que les chevals de Minecraft, dis donc. Bon, votez pour moi aussi. Bien, alors, pour l'instant, vous êtes tous d'accord, c'est bien. Et la truc de scie. Alors ça, on va peut-être changer d'emplacement. J'ai peut-être un endroit... Bouge de là! Dites donc, il voulait pas bouger. J'ai peut-être un endroit où on pourrait placer ça. Pour ça... pourrait temporairement mettre la coupe de bois ici, temporairement. Parce qu'il faudra qu'on fasse peut-être un bâtiment spécialisé pour ça. En tout cas, vous êtes tous d'accord, ça c'est bien ça. On va mettre tout ça ici. Est-ce que je vais en mettre un, je vais en mettre un là. Et ben voilà, vous êtes tous d'accord. 4 votes, bouleau érable. Ben allons-y, faisons donc bouleau. Et érable au milieu. Et voilà. Et pour scier du bois, je pense que ce sera plus facile. Alors on va faire un test. Je vais aller chercher du bois qui me traîne quelque part que je pouvais pas. Non, c'est pas là. C'est là, voilà, ça. Je veux voir si ça marche. Si on peut récupérer des planches en faisant ça. Nope. Ok, donc ça c'est vraiment prévu pour scier du tronc d'arbre. Alors, on va faire un test. Donc je vais ranger ça à la maison. Je vais sortir. Alors, avant. Je vais remettre ça ici. Je vais sortir ça et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc si on le pose, voilà. Si on le pose, ça fait ça. Donc ça, c'est très joli, j'avoue que j'aime bien. On va stocker le bois ici, tiens. Temporairement, le stock de bois sera là. Même si c'est pas là que... Alors le stockage de bois, malheureusement, il va falloir qu'on fasse un truc plutôt... Parce que dans l'aventure précédente, on s'était servi... du fait que la maison était en L, donc de cette zone-là, pour faire le stockage de bois. Sauf que là, on n'a pas beaucoup de place. Donc là, il va falloir trouver des solutions. Je pense qu'on fera une zone spéciale de stockage externe. Alors maintenant, on va voir si on peut se scier. En tout cas, il se passe rien, d'accord? Ok, il se passe rien. Parce qu'il faut que je fasse sur le bloc. Sur le. Alors, c'est pas sur le bloc, c'était sur le. Sur ça. Bah ça va, dis donc, beaucoup plus vite. J'ai en un clic et c'est fait. C'est cool. Voilà. C'est bien, on va garder tout ça. Alors, peut-être pas dans cette configuration-là. Peut-être pas dans cette configuration-là. Je veux redélocaliser tous les éléments. On va mettre le truc de scie, on va le mettre là. On va mettre au moins un là ici comme ça et le deuxième on va mettre là comme ça, ouais c'est mieux. Là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux comme ça. Et là moi malheureusement je peux pas poser la scie au sol, donc je suis obligé d'aller poser ça dans la rack à outils. Bien. Bon bah c'est bien, ça prend forme tout doucement, c'est cool. Ah, il y a du foin encore sur moi. Ça prend tout doucement forme, c'est cool. Et il est 22h25, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Donc, programme de la prochaine stream. Je ne sais pas quand ce sera stream. Est-ce que j'en fais un ce week-end? Sûrement.
possiblement dimanche soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je ne stream pas les lundis. Lundi, c'est mon jour de repos pour Twitch. Donc ne me retrouvez pas sur Twitch lundi, je ne serai pas dispo. Allez voir les autres personnes qui streameront sûrement. Mais possiblement dimanche soir, peut-être. Comme on avait fait la semaine dernière pour la première épisode de l'Aventure 3. Alors peut-être pas 7 heures de stream. C'était un petit peu long 7 heures de stream, mais on verra. Est-ce que, dire que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais est-ce qu'on dirait pas raid quelqu'un? Ça, c'est quelque chose que je fais pas souvent, parce que je suis pas, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais c'est que c'est pas quelque chose que j'aime bien faire moi déjà personnellement. Mais on pourrait les raid quelqu'un. Dis-moi qui je m'en charge. Ben, je sais pas. Je supposais, tu veux raid qui? Ben, au début, je voulais raid Jack. Parce qu'au moins, comme ça, je retourne la faveur envers Jack. Sauf que, on va dire que la moitié des personnes qui sont sur la chaîne viennent déjà de Jack. Donc ça veut dire que bon. Alors, vous savez quoi? Pour ce soir, fuck it, on raid Jack. Ce sera plus simple. Je vais le faire moi-même. Jack Play PZ. Si ça marche ou pas? Ouais, voilà. Ils sont prêts à lancer un raid dans 5 secondes, quelques secondes. Bref. Hop. On va s'arrêter là donc pour ce soir, comme je le disais. Merci à tous ceux qui sont venus sur le stream ce soir. On refera du Vintage Story peut-être ce dimanche-là ou pas, à voir. On refera sûrement du Vintage Story la semaine prochaine. Le planning sera mis à jour au fur et à mesure entre demain et après-demain, on verra. N'hésitez pas, à ceux qui n'auraient pas encore fait, de suivre la chaîne. N'hésitez pas aussi d'aller voir le site web iclem.fr. Venez sur Guildhood, c'est une alternative à Discord. Allez voir aussi la chaîne YouTube pour les VOD des épisodes précédents et la série précédente. Allez voir tous les réseaux sociaux à gauche, à droite, qui a besoin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon stream chez Jack, et à la prochaine. Ciao, bye bye!